Moi, je suis le bidaya, donc je mets vœux à l'ensemble des citoyens de cette wilaya. Donc j'espère que l'année 2021 sera au moins sur le plan de la santé, sera beaucoup, donc la situation sera, donc ça s'améliorera davantage. Et j'espère aussi que sur les autres plans, sur le plan de l'amélioration des conditions de vie de la population de cette wilaya, qui a été en quelque sorte contrariée à cause un peu de toutes les restrictions qui ont été prises. Donc avec maintenant la vaccination qui va s'enclencher donc à partir de janvier au niveau du territoire national, donc notre espoir donc, demeure entier pour que la vie normale le prenne donc sans cours. Donc cette journée a été consacrée, donc organisée par l'Académie nationale donc, de prévention contre les accidents de la circulation, avec bien sûr en collaboration avec le chef de l'éducation. Donc ceci Mawad ici a été donc, le théâtre de cette manifestation, donc, au cours de laquelle les services de l'État sur la protection civile, la gendarmerie, la police, donc ont tenu à exposer donc, et à se sensibiliser par là donc, la population juvénile surtout. Il reste quelques bien sûr insuffisances parce que la prévention contre les accidents de la route appelle l'intervention de beaucoup d'opérateurs, que ce soit l'administration des travaux publics, que ce soit l'administration des transports, que ce soit même sur le plan de la réglementation et bien sûr les autorités locales, pour organiser la circulation, pour organiser donc, j'allais dire, la circulation même des personnes au niveau des villes. Donc c'est un projet important, mais je suis sûr et certain que lorsque tout le monde contribuera dans son domaine d'intervention, avec les campagnes sensibilisantes qu'on est en train d'organiser, la baisse qu'on a constatée cette année, Inch'Allah, va se renforcer. Après donc, les statistiques nous ont été présentées par la protection civile, la police, la gendarmerie, il y a une régression, légère régression, mais il y a une régression. Nous allons poursuivre nos efforts en tant qu'autorité de la wilaya en matière surtout de réhabilitation des routes. Donc, et aussi de combler un peu le déficit en matière de signalisation. Merci, monsieur le